8 ans, me fait la lutte 4 ans, me rendre haltérophilie parce qu'il me tient de participer au jeu des îles, au moins une fois. Et que depuis ça, je reste dans haltérophilie. Ce qui motive moi, reste dans cette expo-là, c'est que c'est un combat de soi-même qui nous a performé tout le temps, performé en nous-mêmes. C'est un travail mental aussi, et c'est pour ça qu'il m'intéressait récemment, parce qu'auparavant, j'ai participé à la guerre avec mes adversaires, là l'adversaire c'est moi. Mes 3 médailles d'or, dernière édition au Jeu des îles 2015, médaille d'or au Jeu d'Afrique, triple médaille d'or au championnat d'Afrique, médaille d'argent au championnat du Commonwealth, médaille d'argent au Jeu du Commonwealth, et que... Voilà, mon objectif, que je refais le même père pour la prochaine édition Jeux des îles qui vous fait à Maurice, et que vous nos qualifications pour les prochaines Jeux des îles. Et je vous ai piqué de l'ambition là-dedans. L'ambition là-dedans, faire mieux qu'il a dernière fois, c'est-à-dire redonner notre classement, et si Dieu le veut, avec beaucoup de sacrifices, performances, beaucoup d'efforts, peut-être être parmi les 4 premiers. Peu importe la discipline, on va tout lire impossible si... C'est athlète la corde en lui qui ne peut pas varier bien. Je fais beaucoup de sacrifices concernant le régime. Je me disais 70 kg, 253 kg, pas manger pendant 2 semaines. Risque de faire une compétition, descendre une catégorie. Il y a beaucoup de sacrifices. L'insensement, parce que je trouve moi plus bien, que ce soit physiquement, mentalement, athlète qui faut dans mon tête. C'est une marie confiante et le maillot, surtout quand ça peut flotter, quand nous tous ça là-haut. Et c'est me représenter le Maurice en entier. Et c'est que chaque personne de Maurice, chaque personnage, chaque personne de Maurice, me représente tout moi, c'est une grande fierté. Pas capable de dire, pas capable de comprendre la joie que j'ai, d'accord, surtout quand nous sommes à l'île nationale. Oui, je fais juste haltérophilie et que je suis en train de gymnase, dormir, manger, entraîner. Les soutenir, moi, et soutenir tout le monde, camarades qui entraînent ensemble. Et nous aussi, nous soutenir à l'île sur l'entraînement. Pendant une période difficile ou même dans un bon moment aussi. Il y a un athlète qui, je veux dire, est un combattant, parce qu'il a une morale assez forte et tout en lui, il mange avec lui dans l'entraînement, il donne le meilleur de lui-même à chaque entraînement. Et il y a une assez sérieuse par rapport à ce mal d'entraînement qu'il fait. L'idée à 100% mon pensée à chaque séance d'entraînement, et il y en a un objectif qui lui plaçait et il essaie de faire tout par cet objectif, et aussi il fait beaucoup de sacrifices par rapport à un régime, tout ça qu'il fait pendant une fois, pendant une longue période qui est difficile. Qui moi par exemple, mon bachelor fait un régime aussi drastique que ça, mais il y en a le mental pour faire ce régime. Depuis qu'il a commencé, et tout le temps, il est motivé pour aller de l'avant. Sur la valeur qu'il y a, sur la personnalité, premier d'abord, ouais. Et sur la façon qu'il est comporté dans le gymnase, et sur la motivation, sur motivation qu'il y a dans sa discipline, sur l'amour qu'il y a dans sa discipline. Bon, pensez que Zen est un grand exemple à tirer. Moi-même, je peux dire, au moins, je tenais, quand ce niveau qui est arrivé là, c'était incroyable. Pensez que les Jeux Olympiques sont capables de gagner une place au podium, si vous voulez. Une place au podium? Oui. Une médaille d'eau? Non, médaille, nous pas pour les médailles, nous pas connaître, mais au moins, je respecte qu'il gagne une place au podium. C'est un truc qui est en train de. Matin et soir, lundi, mercredi, vendredi, matin, et mardi, jeudi, les matins. C'est votre ligne arrivée, et dans le profil, nous avons dit ce qu'il nous a gagné. Et je souhaitais qu'il fasse encore plus mieux que ça.